Yo les gens, ici les studios de Robin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'espère que vous savez pourquoi on se retrouve. Je vous l'avais demandé sur Insta et vous avez dit ok. Donc on se retrouve pour le côté de YouTube malsain. Et oui, vous pouvez le voir, une petite aperçu là. Je vais vous mettre une petite image que vous pouvez apercevoir juste là, hein. N'hésitez pas, mon Insta est juste là si vous ne me suivez pas encore. Et sur ce, on démarre avec une première partie que j'ai pu trouver, qui est quand même un peu choquante pour certains, ou traumatisant, ou qui peut vous rendre fou. Donc on va commencer un peu avec Don't Hug Me, I'm Scared. Et oui, ça c'est le titre. Donc, vous allez pouvoir apercevoir, je vais vous mettre un petit passage. Voilà. On va mettre l'épisode 1, c'est parti. Pour commencer, vous pouvez voir tout est calme. On peut voir que tout est fait un peu en mousse, en carton, des trucs dans le genre. Tout est calme pour l'instant. Voilà, on a trois personnages. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just tried to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face. Whoa. Walking along and smiling at me. I don't see what you mean. To have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Pourquoi juste... Il a fait un truc gratuit. Here's another good tip, yeah. Of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favorite color. Blue. Red. Green. Green is not a creative color. There's one more thing that you need to know before you let your creativity flow. Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative. Donc on se perd, mais vous voyez, ça va partir en couille dans pas très longtemps. Ça va partir le soir, ça va partir n'importe comment. On est d'accord, c'est n'importe quoi là. To never be creative again. Ok, donc voici la fin de l'épisode 1. Vous voyez, ça commence bien et ça se termine mal. Un petit extrait de l'épisode 2 pour vous montrer. Come on guys, stop mucking around. We only have 5 minutes until our show's on. That's not enough time. There's always time for a song. Nope, non, non. Au revoir. Time is a tool you can put on the wall or wear it on your wrist. Reparti, hein. The past is far behind us. The future doesn't exist. Oh, what's the time? It's 8:45. Time to have a bath. What do you mean? We're already clean. Scrub, scrub, scrub till the water's brown. Time is a ruler to measure the day. It doesn't go backwards, only one way. Watch it go round like a merry-go-round. Going so fast like a merry-go-round. Je préviens un moment, vous allez avoir mal aux oreilles au bout d'un moment. A time that's changing all the time. It's time to go to time. Back to the core. And I'm not over time, and I'm not over. Alors là, ça commence à partir en rouille, vous pouvez voir. By the moon or the sun. Time flies fast when you're having ça part n'importe quoi, comment dire, hein. There's a time and a place for mucking around. Like camping. I'm friends with my dad. Son père. And then what happened after the olden days?
Time went new and got old like history. Stuff from the past went into a mystery. An old man died. Look, computer. My dad is a computer. Look at the time. It's 7:45. There's fish on my plate. It's 8:20. There's fish on my tray. It's 11:12. There's fish in the barn. Alors, je sais pas c'est quoi le délire avec le poisson là. Fish everywhere. Fish everywhere. Now you can see the importance of time. Là, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Hein. Sunrise, sunset, night, day. The changing seasons, the smell of hay. Change. Voilà, ça commence. Make it stop. It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. Foods and yolk. These foods will clog up the body with unnecessary detail. Oh no, look, it's all broken and on the floor. Everything tastes great. Maybe we should wait before we put it on the plate. Enough. Or it could be too late. I don't want to do this anymore. Là, c'est super bizarre. Certains peuvent être traumatisés s'ils n'aiment pas le sang. Ou si ça leur dégoûte les boyaux et tout, hein, je préfère prévenir. Peggy 18. Voilà, vous pouvez voir, il est en train de se faire bouffer. Everyone has the teeth go grey. Just eat yeast and it'll go away. But how much have you had today? Too much yeast makes your teeth go grey. How about some onion paste? Looks like butter. Have a taste. Thank you, 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 thank you. C'est très bizarre. Voilà, vous voyez, ils viennent bouffer le canard. Vous voyez, c'est très choquant. Il a tout bouffé le canard. Il y a les intestins, les boyaux partout. Il est devenu obèse avec les morceaux dans sa bouche. C'est vraiment très choquant là, ce passage.